Alors, je m'appelle Romain Marietta, je suis le directeur du développement produit et de l'héritage chez Zenith. Bienvenue d'ailleurs chez Zenith, ici à Watches & Wonders 2022. La manufacture Zenith existe depuis 1865. On est une manufacture, c'est-à-dire qu'on produit l'entier de nos mouvements, on équipe l'entier de nos montres avec des mouvements. On est situé au Locle, dans le canton de Neuchâtel, et on appartient au groupe LVMH, donc le plus grand groupe de luxe au monde en France. On est ravis déjà d'être là physiquement. On a participé à Watches & Wonders en 2021, mais sous forme digitale. Donc là, on est vraiment ravis de pouvoir, enfin, je dirais, après deux ans et demi de Covid, de pouvoir accueillir les gens physiquement, de pouvoir leur serrer la main et leur présenter les montres physiquement, qu'ils puissent les toucher. Donc ça, c'est une chose. Et puis évidemment, après Watches & Wonders, c'est un incontournable du calendrier horloger. On travaille pour ça. C'est un des moments clés de l'année. On a le moment LVMH Watch Week en janvier. Et là, on a ici, à la fin du mois de mars, le Watches & Wonders pour lequel on participe et on est ravis. Voilà. Bon, les ambitions sont simples, c'est de grandir. On est sur un momentum depuis 3 ans qui est exceptionnel. On est sur une nouvelle vague, on surfe sur un moment complètement différent. C'est un renouveau. D'ailleurs, on le voit avec le stand qui est derrière moi. On peut enfin, par chance, avec ce salon, présenter la marque sous son nouveau jour. On y travaille depuis très longtemps et puis les perspectives sont bonnes. Depuis 2019, anniversaire d'El Primero, on a vécu des choses assez exceptionnelles. Et puis le lancement de produits qui sont devenus des icônes instantanées, donc les perspectives sont super bonnes. Ici à Watches & Wonders, on focalise notre attention sur Chronomaster, sur le renouveau de Chronomaster, l'Open. Et puis le futur est assez serein de notre côté, donc on se réjouit. Après, évidemment, il y a l'ambiance économique, mais a priori, tout se passe pas trop mal pour les autres marques dans l'environnement, donc on est content. Honnêtement, je pense que le Covid nous a évidemment frappé de plein fouet. En tout cas pour nous, il a été bénéfique parce qu'il nous a permis en tout cas de nous poser des bonnes questions, d'être actifs, d'être agiles, flexibles et surtout de devoir travailler sur notre présence, de devoir faire en sorte de toucher nos clients et nos partenaires, que ce soit des médias et les détaillants, parce qu'on ne pouvait pas aller les voir. Et puis ça nous a permis de vraiment faire des projets à l'interne, dont par exemple je pense à l'e-commerce. L'avènement de l'e-commerce pour nous, on n'y songeait pas du tout presque avant le Covid, on a été presque forcés de le faire et ça a été bénéfique. Donc c'est là en fait que ça nous a donné un boost. Donc je pense que ça a été bénéfique pour l'industrie, j'espère, en tout cas pour Zenith c'est sûr. Une partie du renouveau peut-être, en tout cas il ne touche pas à la marque Zenith. Nous on est une manufacture, on fabrique nos mouvements, donc on les met en avant, c'est du mécanique, c'est comme ça depuis 1865, depuis la fondation de la marque par Georges Farjaco. Donc nous on ne fera jamais des montres quartz, ça c'est sûr, on peut le dire. Est-ce que le renouveau passera par ça? Je ne sais pas. Maintenant effectivement on voit nos consoeurs, d'ailleurs même dans le groupe on a par exemple Tagueyer qui en fait, Hublot qui en fait. C'est pas quelque chose qui est pour nous, mais on verra ce que l'avenir nous dira. Mais c'est sûr que c'est un trend actuel, on doit l'écouter, on doit y faire attention, mais il passera pas par la marque Zenith. Un mot, c'est venez nous voir, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir, on a plein de choses à montrer, on a vraiment envie de montrer le renouveau de la marque, là où on est aujourd'hui, et puis sentir simplement l'atmosphère qui se dégage de chez nous, donc on peut que vous encourager à venir nous voir ou à rentrer dans nos boutiques pour pouvoir avoir la chance de voir nos produits et nos créations et de pouvoir les mettre à vos poignets.
Édouard Mignon, je suis Chief Innovation Officer de Tag Heuer. Et puis, le cadre général de la maison pour cette année, il y a vraiment trois piliers, je dirais. Performance, fiabilité et innovation. Et donc cette année, on présente un certain nombre de produits et il y en a trois dont j'aimerais vous parler. Alors, le premier qui illustre bien la performance et la fiabilité, c'est l'Aquaracer 1000 mètres Super Diver. Alors, c'est une montre qui est une montre professionnelle, qui est certifiée et qui est équipée d'un nouveau mouvement qui a des caractéristiques principales. Il y a trois choses qui sont importantes. Une précision qui est extrêmement importante. C'est un mouvement qui est certifié COSC, mais on va encore plus loin que le COSC parce qu'on a une précision de moins 3 secondes, plus 3 secondes par jour. Deuxième chose, c'est une montre qui a une énorme réserve de marche avec 70 heures de réserve de marche, ce qui permet à la montre de fonctionner même si on la pose pendant un week-end. Elle va continuer à fonctionner et à la fin, le lundi, on la prend et elle fonctionne toujours. Et puis, le dernier élément, c'est qu'elle a été développée et conçue avec la fiabilité en ligne de mire. Donc, on l'a testée dans tous les sens, ce qui nous permet de la garantir pendant 5 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant aussi pour la maison. Deuxième montre qui est un petit peu dans la même lignée, je dirais, c'est l'Aquaracer Solargraph. Donc, l'Aquaracer Solargraph, c'est la première montre Tag Heuer solaire. Et ce qui est super intéressant quand vous la regardez, c'est que en fait on ne voit pas de cellules solaires. Donc c'est avant tout une Aquaracer, c'est avant tout une montre Diver 200 mètres, superbe. Et en fait la cellule solaire elle est cachée derrière le cadran. C'est un cadran qui est très spécial, qui est fait dans une matière qui est semi-transparente et qui permet à la lumière d'aller chercher le mouvement. Et donc, on ne révèle pas, en fait, c'est comme un magicien, on ne révèle pas ce qui se passe et simplement, on a une montre qui est extrêmement belle. Alors, le solaire, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une montre à quartz, mais dont on n'a pas besoin de changer la pile. Donc, elle est simplement alimentée par le soleil. Donc, ça veut dire que le soleil, c'est une source illimitée d'énergie. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, c'est une montre, quand elle est arrêtée, si on veut la faire redémarrer, il suffit de 10 secondes sous une source lumineuse et elle va commencer à redémarrer. Quand elle est complètement chargée, c'est une montre qui va pouvoir tenir 6 mois. Donc 6 mois, même si on la met dans un tiroir par exemple, elle continuera à fonctionner. Donc, ce qui est très intéressant par exemple, entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, on n'a pas besoin de s'en soucier et elle est toujours à l'heure. Il y a même on appelle ça un safe mode, quand on tire la couronne, c'est une montre qui va se mettre on va pouvoir la tenir éveillée pendant 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, même si elle est dans un tiroir, elle pourra redémarrer sans besoin de lumière extérieure. Donc là aussi, même chose, c'est une montre qui a été extrêmement testée pour sa fiabilité, pour sa performance. Et l'Aquaracer Solargraph est garantie pendant 5 ans. Dernier pilier, je dirais, qu'on présente cette année aussi, c'est l'innovation. Et l'innovation, on la possède dans notre nom, TAG, technique d'avant-garde. Et cette année, on présente la montre Carrera Plasma avec des diamants d'avant-garde. Alors peut-être que vous le savez, mais chez Tag Heuer, on aime beaucoup le carbone. C'est une matière qu'on a beaucoup explorée ces dernières années. On l'a explorée autour de boîtes en carbone, autour de cadrans en carbone. On a même notre spirale en nanotubes de carbone. Qu'on fabrique à la Chaux-de-Fonds, c'est quelque chose de propriétaire. Et cette année, on voulait vraiment aller beaucoup plus loin et explorer la forme, je dirais, ultime du carbone, qui est tout simplement le diamant. Donc on s'est entouré d'un réseau de tech companies, de start-up, pour explorer cette forme du diamant, qui est les diamants de laboratoire. Donc les diamants de laboratoire, ça existe depuis très longtemps, mais nous, on voulait vraiment voir toutes les possibilités qu'on peut avoir avec de tels diamants. Alors on a utilisé une technique qui s'appelle CVD, Chemical Vapor Deposition. Donc c'est une technique qui permet de faire croître du diamant atome par atome et vraiment couche par couche. Et alors ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'on a des diamants bruts qui ont des formes complètement différentes de ce qu'on a dans la nature. Dans la nature, normalement, un diamant brut, c'est deux pyramides qui sont superposées l'une sur l'autre. Et quand on la taille, ça limite les formes parce que, un, on n'a pas envie de perdre trop de carats, évidemment. Et puis deux, il y a beaucoup de tension dans la matière, ce qui fait que si on veut faire des formes un peu folles, ça peut casser.
Alors, grâce au diamant de laboratoire, on arrive à faire des formes assez incroyables. Et là, ici, vous avez cette Carrera Plasma. Et un très très bon exemple de ça, c'est la couronne de la montre, qui est une couronne entièrement en diamant, qui pèse 2,5 carats. Donc, c'est que du diamant. Donc, une bonne illustration de ce qu'on peut faire avec ce type de diamant. Deuxième chose, c'est le cadran que vous voyez là, qui est blanc, qui brille de mille feux. Qui est, alors là, quelque chose encore plus incroyable, c'est du diamant qui s'appelle du diamant polycristallin. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Donc c'est un diamant qui croît avec plein d'orientations différentes. Et en fait, ce cadran blanc que vous voyez, c'est une plaque de diamant qui pèse 3,9 carats. Donc c'est une seule plaque qui fait 800 microns d'épais. Et vous voyez cet effet, on a l'impression d'avoir une multitude de diamants alors que c'est simplement une seule plaque de diamant. Donc vraiment, on explore toutes les possibilités de ce matériau dans une vision vraiment, vraiment d'avant-garde. Et puis pour, je dirais, boucler le cercle, cette montre Carrera Plasma est équipée d'un tourbillon avec notre spirale en nanotube de carbone qui, et c'est intéressant, il a été produit à la Chaux-de-Fonds, à l'Institut Tag Heuer, avec une technique qui est très similaire à celle qui a permis de produire les diamants, qui est le CVD. Et donc vraiment, je trouve que ça symbolise ce qu'on est capable de faire avec ce matériau qu'est le carbone, depuis des pièces mécaniques ultra compliquées jusqu'à l'ultime, le diamant, avec des pièces qui ont un look complètement, complètement incroyable. Donc voilà un peu un résumé de ce qui se passe cette année chez Tag Heuer.